remake de Un prince à New York, c'est ça? Voilà. JB, tu vas faire le son aujourd'hui. Et ouais, parce que moi je peux pas. Adrian, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Malik, t'es beau gosse aujourd'hui, je comprends pas. Le gars est swagué. On a ici, bon. Monsieur Tambola, ah, la même caméra que vous. La même caméra, voilà. Si d'accord. Vous voulez l'acheter, voilà, voilà. C'est la même caméra. C'est la même. Il est où le. Ahmed Lamota. Le grand rabat de quoi je parle. Pourquoi voilà. Les bides. Tu vois les bides. Oh là là. Pourquoi il a mis un faux bide alors qu'il a déjà. Attends, le bâtard. L'équipe son est en train de préparer le matos. Aïe. Fabrice toujours là. Même quand il n'est pas là, il est là. Fabrice, même quand il n'est pas là. Pour former les petits stagiaires. J'ai la pression. Mes yeux là, le vlog. J'ai la pression de ouf. Ne filme pas pendant qu'il n'est pas là. Ne filme pas. C'est trop long si je me plante, si le son est mauvais ou quoi. On a la même caméra. Alors, si vous voulez savoir quelle caméra j'ai, les loulous, c'est celle-là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Rocky Marciano. Quel charisme. Oui. Quel charisme ce Bayou. Dab, dab, dab. Oh, oh. Aïe. Voilà, ils m'ont pris sur leurs ailes. Non, c'est trop comme ça. Après, en fait, je pense qu'il ne faut pas se caler sur le regard exact de ça. D'accord. Donc Bayou est là. Donc Bayou devra regarder par là. Trop d'étrangers. La direction, il sera assis ici, il devra regarder quand même. Trop de noir, trop de. Trop de foncé, tu vois. Trop de. En fait, c'est un peu de éclaircir tout ça. Tu joues quel rôle en fait? Ah, d'accord. Si moi je suis là, si Bayou il est là. Bayou me regarde comme ça, tu vois. Donc là, si je reste comme ça, tu vois. Ouais, ça me parle. Ok. 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 Il était bon celle-là. Bah alors t'es où? Déduction du matos. Il est pour qui le salaire? Hein? Et alors, là moi je fais. Toi tu dis ah ouais si, il a mis du lourd là. Mais Dieu lui il avait 75 ans cette fois là. Il a mis du lourd là. Mais Dieu lui il avait 75 ans cette fois là. Moi je sais pas qui l'a fait, mais en tout cas il a morflé. Ok. Et quand je fais, tu dis ah oui il a mis du lourd là. D'accord? Ok. Action. Mais il a mis Joey Will par terre. Ah oui, c'est vrai qu'il a mis Joey Will par terre. Mais, dis-moi. Il a mon temps en l'air. Mais c'est pas grave, c'est pas sur lui. Après, ça prend sa sur lui, il dira la vérité. Ouais. Pour te donner de la vérité. Je vais finir la réplique d'avant. Okay. Comme ça, quand tu dis il a mis Joey Will, il a mis. C'est je veux dire, c'est un choc. Il a mis Joey Will par terre. Après, tu... Mormec était correct. Mais comparé à Joey Will, Mormec, c'est de la chiotte. Il a mis Joey Will par terre. C'est vrai, il a mis Joey Will en l'air. Mais Joey Will, il avait 75 ans cette fois-là. Je sais pas quel âge il avait, mais il a mis en l'air. Il a morflé. C'est pas bon. Ton bon choix. Cette phrase. 950. Ouais. Plus. Et va chier. Va chier. Et va chier. À quel tour? Il reste quoi comme ça? Monsieur JB. Alors, c'est fatigant de ouf. C'est fatigant là. Pour Fabrice. Je comprends pourquoi t'es aussi cher en fait. Je comprends pourquoi tu coûtes cher comme moi. Aïe, t'as raison mec. Balance pas les tarots. Tu regardes, si je garde pas des trucs de cul, et ben tu t'es tombé sur la mauvaise personne. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Ah, monsieur Diao. Ouais. Si je peux préciser un truc, il se trompe rarement sur son texte. Malik, qui drague une passante dans le 2e avec son petit chapeau. Ouais. Tombo, il va finir ce truc. Fabrice, prends ta place. À partir de maintenant, je te cède une partie de Yari Yari pour que tu t'en occupes. Et moi, je joue du son. Donc, je prends ton matériel en échange des parts que je te donne, bien sûr. Eliki! Eliki! Eliki!
À qui tour? Tournage fini. Alors, première expérience en tant qu'ingénieur. Je sais pas si je le referais personnellement, c'est fatigant, c'est relou. La muse, tu mens. Et heureusement, du matos, c'est relou. Aïe. J'ai une planète qui s'appelle Namek. Tu connais ? Planète Namek. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tournage où il y a Anthony, mon faux papa, qui va me mettre au lit et qui va me dire que c'est mon faux papa. Il y a aussi Fabrice. La gestion. Samir. Premier numéro de budget de décor.